Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette deuxième vidéo en Normandie. Alors aujourd'hui je suis aux falaises d'Etretat, voilà c'est le on va dire le deuxième fer de lance du tourisme de Normandie. Tu vois, avant il y a le Mont Saint-Michel, tu as peut-être vu la vidéo que j'ai déjà faite. Et voilà, le Mont Saint-Michel et aussi les falaises d'Etretat, voilà on les voit derrière moi là. C'est la partie la plus connue qu'on peut voir sur toutes les photos. Alors bon ben voilà, je vais passer une petite journée ici, enfin une petite journée même, quelques heures plutôt. Et je t'emmène avec moi pour voir tout ça. Allez, c'est parti. Il fait un peu gris aujourd'hui en Normandie, mais bon ça va, tant qu'il pleut pas, ça me va. Alors là je suis sur la falaise d'Amon. En fait il y a deux falaises de chaque côté quoi. Donc là je suis sur la falaise d'Amon et derrière moi c'est la falaise d'Aval et on va y aller tout à l'heure. Un petit mot, eh bien, c'est bien joli, ça fait une belle balade en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin beaucoup de choses à faire, plutôt beaucoup de distance à parcourir on va dire. Et ben voilà, avec le soleil ça doit être vachement plus agréable en fait. Bon voilà, c'est terminé pour cette visite des falaises d'Etretat. Alors que dire, eh bien, c'est vraiment génial, c'est super joli. Alors c'est très très grand, hein. Tu peux vraiment marcher des kilomètres et des kilomètres. J'ai vraiment pas tout fait quoi, j'ai fait juste un côté puis l'autre. Mais c'est vraiment super beau quoi. Et en plus le soleil s'est levé là, il fait beaucoup plus chaud, tu vois. J'étais obligé de tomber la veste, j'ai gardé la chemise. Mais c'est vraiment génial. J'imagine qu'avec le soleil ça va être trop bien, au coucher du soleil ou au lever du soleil aussi,
ça doit être super beau, mais vraiment voilà, les falaises d'Étretat, je te les conseille. Donc il me reste plus qu'à rentrer chez moi maintenant, et voilà, il me reste 800 km à faire quand même. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce bleu. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À